Welcome to the Syntaxes. Dans l'épisode précédent, on avait fait l'introduction et les trois premiers jours où on s'était craqué sur le deuxième jour, je pense un petit peu de manière volontaire parce qu'il y avait quand même un fils de pute dans l'histoire, mais... Bref, on s'était rattrapé au jour d'après, pas de soucis, le destin, elle est moyennement content, mais on s'en bat les couilles, on a un chat qui ronronne. Bon, la suite... de votre émission. Alors, au boulot. Alors, mets une attends. Attends, vous m'excuserez. Hop. Alors, les nouvelles. Crow News. Tous les survivants d'un crash d'avion sont dus aux efforts spectaculaires du pilote. Crow News. Un privé a accidentellement réussi à avoir un illégal échange d'armes pendant qu'il était en train d'essayer de prendre en photo une femme adultère. Crow News. Une femme a accidentellement renversé son ex-mari avec une voiture. Bon. La malchance jusqu'au bout, Billy. La malchance jusqu'au bout. Après ton vélo, c'est toi qui te fais écraser ma gueule. Alors, Grim, est-ce que tu as regardé dehors aujourd'hui? Il pleut. Et il pleut depuis des heures. C'est approprié pour accompagner ce qui se passe avec moi. Bon. Voici les rules, les règles, pardon, qui sont pour toi. Tu dois tuer 3 humains. Un autre jour, une autre mort. Destin. Ok, destin. Alors, qui avons-nous? Sierra Lopez, 29 ans. Attornée. Attornée, qu'est-ce que c'est? Tiens, Google. Attornée, traduction. Parce que ça, je sais pas du tout. Pause Google, veuillez patienter. Toutou. Elle est avocate, d'accord. Attornée, c'est avocate. Elle est mandataire. Ok. Sierra a toujours 29 ans, mais est déjà un avocat du haut du panier. Elle est très connue pour avoir gagné différents cas. Et avoir réussi à ce que les victimes de la famille de la victime ait des dommages et intérêts de par un chauffeur ivre qui avait tué leur fils. Elle voudrait toujours. Lawful. C'est quoi lawful? Google va me dire. Lawful. Ah. Elle a toujours un échappatoire et présente les cas de manière très convaincante. Toi, je t'aime bien. Mais le problème du fait de présenter les choses de manière très convaincante, c'est qu'elle serait capable de faire libérer un tueur, en fait. Parce que si elle arrive à par exemple, à faire croire que le tueur a fait de la légitime défense et que c'était pas sa faute, hop, le gars, il en s'en sort et il va retuer. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de la laisser en vie non plus. Bon, on verra. Peyton Justice, 27 ans. Un employé
Sans emploi, copywriter. Patton est un écrivain entraîné, mais il a toujours été étranglé par son le fait de devoir trouver du travail. Quand il a arrêté d'essayer de trouver un job, il s'est enjaillé à écrire des lyrics de rap à propos de la vie de la rue. Grim, je te surveille. Tu dois marquer ce profil à vivre. Oh, ok. Bon, bah lui, c'est sûr, il doit vivre. On va le mettre là. Alors. Barthému Soutamayor. 54 ans. Gourou. Un gourou. Barthému a expérimenté l'éveil à la spiritualité après avoir mangé du fromage mou. Et s'être questionné sur ses origines pendant des vacances. Maintenant, il passe son temps à répandre la nouvelle vision trouvée à tout le monde qui veut bien l'écouter. Alors toi, tu vas mourir, t'es un gourou, je t'aime pas. Non, faut pas déconner. Les gourous, de base, c'est juste je récupère ta thune en te racontant de la merde. Alors c'est mort, je n'aime pas ça. Lucas Calabi, 32 ans, getaway driver. Donc c'est un chauffeur. Lucas a été toujours pris dans les organisations, dans l'organisation des crimes sur le web depuis un très jeune âge, à cause des dettes de son frère, que son frère a toujours. Pour arrêter le problème, Lucas a été forcé de commencer à travailler en tant que chauffeur. Même si c'est tard, il n'a pas l'air d'être dérangé d'avoir les mains sales. Toi, je sais pas. On va te mettre avec Sierra. Faut que j'en tue combien déjà? 3. Une prof. Renée O'Chesney. Oh, elle est irlandaise. Les O comme ça ou les Mac, ça veut dire qu'ils sont d'Irlande. 27 ans. Renée enseigne les langues et la littérature avec la critique littéraire. Pardon, aux lycéens. C'est une tâche extrêmement ardue, toutes les choses considérées. Elle a un intérêt à l'éducation des sciences et espère pouvoir améliorer les méthodes d'apprentissage des autres professeurs. Mais les plus âgés ne sont pas intéressés par les manières plus modernes. Pff. Ah, toi, je t'aime bien. Tu vas survivre. Bon, bah... Toi, je sais que tu crèves. Toi, tu vas mourir aussi. Et toi aussi. Dice. Et tu veux qu'il vive et tu veux qu'il vive. Pour l'instant, on va éviter de trop faire de la merde, comme je disais, parce que... En fait, j'ai envie que ça dure un petit peu, quand même. Donc, pour l'instant, ça va être... On fait attention, on fait le travail demandé et on verra après. On range bien. Voilà.
Alors. Allez, je vous laisse profiter de la petite musique. Là. Bon, enfin bref, la petite musique d'attente qui est fort sympathique. Alors. Grim, there you are. Let us be quick. Ok. All the profiles are here, just as requested. Excellent work. Tous les profils sont là, comme demandé. Excellent travail. You even adhered to my little test note. I commend you for exhibiting vigilance. Tu as même fait attention à ma petite note test. Je t'ordonne de faire extrêmement attention. I am beginning d'être extrêmement vigilant. To sense a tinge of pride growing within me. I did not expect you to turn out such a good and dedicated reaper. Je me suis plantée au jour 2. Je commence à ressentir un petit sentiment de fierté qui grandit en moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois, à ce que tu deviennes un aussi bon et dédié faucheur. If you keep this up, you will get far. You may be even promoted to a middle management position. Imagine the possibilities. Si tu continues comme ça, tu pourrais aller loin. Tu pourrais même être promu au titre de management du milieu. Imagine les possibilités. Le chat émet un délicat miaou à la vue des perspectives. Anyway, I am quite busy tonight, so you can go. Until tomorrow, Grim. Until tomorrow, Fate. Alors, voyons voir ce que Mortimer a proposé avant d'aller dormir. What ho! How can me humble and not at all adventurous self assist you today? Alors. Ça. Je vais l'acheter. Parce que. C'est ce qui va me permettre de changer de visage en fait. Once upon me, crew sailed the southern seas and came across an accursed lighthouse. Plundered the lot of it, even the mirrors. Built the frame from beautiful driftwood washed ashore from the ship we rammed into. Covered it in all gold, too, coarse. I, a proper beauty. Et, On va prendre ça. Ça dear permet de changer aussi de tale. Visage. You ever hear of the Dia de Mortos? A wild night, certainly. There we was, celebrating the passing of mi amigo. Several days later, woke up buried under a mountain of empty bottles. This mess stuck to me face. Never knew where it came from. But I will happily let the memory of me fellow buccaneer and me headache be carried by another. What? Alors. Donc là, pour l'instant. Oh, je suis la queen avec le squelette bling. Alors, Billy. T'as des problèmes, Billy? Tu sais pas ce que t'as envie de faire, Billy? Hola, muchachos! Yes, we ici pour régler les problèmes de la mort sur Terre. Ok. Nous ne devons tuer personne. Tout le monde mérite de vivre et de connaître l'amour. Celui-là, je le garde pour après les 7 jours. Alors, soit on reste le squelette bling, soit on passe sur Billy. Il faut faire son teuf, Billy, et pas se poser de questions. Vas-y, on va être comme ça, Billy. Il est temps de changer de costume aussi. Faut un costume de circonstance.
Voilà, Billy. Il faut le costume de circonstance. Et du coup, je vais devoir parler comme ça jusqu'à ce que je change de visage. Ça va être la merde. Il est temps de dormir. Et maintenant, on va aller bosser. Putain, j'ai raté l'ascenseur. Waouh. Pas très aimable aujourd'hui, le patron. Plus beaucoup de thunes, Billy. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mag culture. Enfin, culture mag. Des standards d'éducation plus hauts aideraient à trouver de paisibles solutions face au conflit. Crow News. Un jeune gars a été abattu par la police durant un raid de la police parce qu'il cachait quelque chose de suspect. Culture mag. Début de la collection d'un jeune poète, Justice Max. Il y a deux X, donc il faut préciser. A été révélé à de rares à travers des reviews. Et a été sauvagement répandu par les gens. Ok. En gros, t'es devenu... Le pseudo-poète est devenu célèbre. Les règles. Salut, Grimm. Bien. Tu as fait attention... Tu peux faire attention, après tout. On ne peut pas laisser les travailleurs... Ne rien faire ou être dans la complaisance. Il y a des erreurs après tout dans le travail. Le quota du jour. Deux humains doivent mourir et il faut laisser vivre tous les humains avec un background de science. J'espère que tu t'amuses bien dans ta routine, Fate. Je m'amuse pas, gamin. Je fais mon taf et puis c'est tout parce qu'il faut le faire. Kenzo Omura, 28 ans, astronomiste. C'est un scientifique, même pas besoin de lire. Astrophysicien. Kjell Van Dessen, c'est quoi ce nom de merde ? 47 ans. De toute façon, astrophysique, science. Kagoshi M, 25 ans, système analyste. Un analyste système. Kagoshi... Oh, putain, c'est quoi ce nom de merde ? Il a fini par avoir une proposition pour créer un système d'infrastructure basé sur des drones qui coûtent pas cher. Le but serait d'utiliser les drones de manière efficace et safe dans le transport de la nourriture, des magasins et restaurants aux gens. Il a eu l'idée, alors qu'il regardait un pauvre livreur de nourriture extrêmement stressé sur son vélo sous la pluie. Ouais. Un musicien qui s'appelle Michael Land, il a 31 ans. Et c'est un prodige depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Ah. Combien doivent mourir ? Deux humains doivent mourir. Le reste...
cosmologie. Est-ce que c'est de la science, la cosmologie? Food service, je pense pas que ça c'est de la science. De vous à moi, la cosmologie c'est pas de la science. Quoique, si, ça doit être la science du cosmos. Donc toi, de toute façon, tu dois survivre. Fais chier. J'aime pas les cosmologistes. Il a toujours été capable de prendre n'importe quel instrument et d'apprendre n'importe quel effort. Ouais, toi je t'aime bien. Toi tu sais, t'es quoi? T'es une serveuse? Bah grosso modo, elle est serveuse et elle fait la bouffe quoi. Elle a eu un passé tellement sombre, tellement triste avec la mort de ses parents. Ah, quand elle était très jeune. De toute façon, ça se joue entre ces trois-là. Qui va vivre et qui va mourir? Non, toi tu reviens. Alors, Belé, qui doit vivre et mourir? Michael, Xiani, désolé. Mais vous avez été choisi pour mourir. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Non, je suis sûr que j'aurais buté un des scientifiques. Un putain de scientifique. Allez, Fate. Voilà ton taf. Putain de conneries capitalistes. Les capitalistes de merde. Avec leur quota. What a day, Grim. What a day. Let us go over your conduct first. Quel jour, Grim. Quel jour. Maintenant, nous allons regarder à travers ce que tu as fait aujourd'hui. Good. I see the correct amount of profiles. Today seems to be in order. Évidemment que c'est en ordre, je fais mon taf, putain de merde! Anyway, Grim, 5 days you have been with us. How does it feel to make the difficult choices? Je n'aimais pas ça au début, mais maintenant j'ai appris à l'aimer. Mais c'est un job comme tous les autres. Honnêtement, j'ai l'impression que je tue pas assez de monde. Je veux tuer plus! Je me sens toujours horrible à propos de ces choix. Chaque moment, c'est comme vivre en enfer. Je hais ce job. Mais c'est un job comme un autre. Is it though? I can almost imagine what a normal, basic, dreadful, everyday job would feel like. Putain, tu fais la même, mec. Sauf que toi, t'es le patron, t'es au sommet. Évidemment, t'es tranquille, toi. But think of the humans. Do you think our office is the appropriate way to deal with them? Nah, je suis pas sûr. The question is too difficult. After all, you have not even lived a week. You have not seen what the tradition has wrought. Tradition, tradition, les traditions, ça évolue avec le temps. Unbeknownst to the humans,
Do you not consider it unethical to make the choices you make? Mais vous créez les règles, et vous me faites faire les choix. Bah, je m'en fais pas trop, hein. Si c'est comme ça que ça doit être fait. It gladdens me to hear you do not bother yourself with unnecessary concerns. C'est pas mon boulot, gamin. C'est pas mon boulot. The office is perennial and venerated. Eons we have spent designing the appropriate methods and strategies. We know what we are doing. Mais si tu le dis, gamin, maintenant j'aimerais bien retourner dans ma chambre et fumer une clope. Oh, I do apologize for taking up so much of your time. Before you go, are there any questions you would like to ask me? Pas vraiment, gamin. Right. It has been enlightening. I bid you a good night. See you tomorrow. Ouais, à demain. Si j'ai pu éclairer ta soirée, tant mieux. On va quand même aller faire un petit tour. Voir si on a Mortimer qui a des trucs à vendre. Have ye seen such deals before? Tis ye who plunders me. On pourrait changer la musique au boulot. On peut pas acheter ça. Et la cape de Grimm. Mais j'ai pas assez de thunes. On va acheter ça. Shiver me timbers. 'Tis a tale most sordid. I dare not even recall the details. But since ye wish to hear it, I shall tell it forthwith. There I was, scouting some rickety office building downtown, and I saw this in an elevator. Went in, tore it out and made a run for it. The device has immense power. Ye turn the knob, and infinite pleasant noises come from it. Some might even call it music. Sympa pour l'histoire, Mortimer. Maintenant, bois un bon petit coup de rhum à ma santé. À la prochaine. Knock, knock. Oh. Hello? Hello. Kind of you to finally answer. Who are you? We are the exalted Chimera, envied by all the blind, arrogant fools. We are Angst Ex Nihilo. We are nothing. A despicable failure. Ah bah si t'es un raté, qu'est-ce que we tu en foutes aussi? We are an envied Hal, the guide who won't lead astray. If only you learn to listen. We are death. How does it feel? Alors, what feel? I don't understand. Mais qu'est-ce que je dois ressentir? Je comprends pas. Je me sens bien. J'ai pas le temps pour ces conneries. J'ai pas le temps. No one has time, and yours already ran out. That's the crux of it, ain't it? Be seeing you, reader. It's a grim world out there. N'importe quoi, ces jeunes. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre une petite voix de femme, parce que franchement, ça faisait longtemps. Allez, au dodo. Un peu de silence. C'est pas plus mal. Voyons voir les news. Truth Exploder. Alors, il y a un crétin qui a dit qu'il a sauvé la Terre des aliens. Un cosmologiste a publié un article extrêmement bizarre à propos de l'extension d'un trou en simulation. Les scientifiques ont ri et sont amusés.
Alors, Windows... Le shopping Windows pour planète, est-ce que cette planète serait notre future maison? Mais putain que les gens sont cons! Et je suis pauvre. Ah, Morning Grim. Nous sommes au précipice d'un sombre temps. Tu pourras remarquer que certains moments sont difficiles. Tout dès ce jour en est un. Ton quota, 6 humains doivent mourir. Trois humains âgés de 35 ans ou moins doivent mourir. Et je dois épargner les humains avec un medical background. 25 ans, tu survis. 26 ans, tu survis. 35 ans, t'es sur la limite, j'en sais rien. 28 ans, tu survis. 20 ans, t'es censé survivre. 87, tu crèves. 33, t'es censé survivre. 43, hop. On est combien qui survivent par leur âge? 2, 3, 4, 5, 6. Ils doivent avoir un medical background. Alors, artistry. Ok. Non-commissioned officer. Designer. Boxer. Dentist, student in science computer, unemployed et retraité. Bon. Ils crèvent et tous les jeunes y survivent. Jamais fait une journée de boulot aussi rapide. Même pas besoin de lire les profils. C'est ce que je préfère. Allez, la petite review. Ah, Grim. It looks to be a rough day out there. New recruits often falter during dark times. Ah, ça a été une dure journée là-bas. Les nouvelles recrues ont toujours du mal durant ces temps sombres. As I thought, you have marked fewer deaths than necessary. What happened? Bah, tu m'as dit d'en tuer 6, putain. Il y avait trop de règles. Options, yes. But it is your job to cut straight through it all. Putain, il devait y avoir 6 humains qui devaient mourir, au moins 3 moins de 30 ans qui devaient survivre. Et les gens qui ont un background scientifique médical, c'était bon, tout était bon là, faut pas déconner. Would you kindly pay more heed to these matters in the future? We must focus. Let us hope these days do not continue. Any idea what happened? Alors, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. T'es en charge, après tout. Un problème... Un accident industriel, en quelque sorte. Ça semblait toxique. Je m'en fous. La mort, c'est la mort. Sincèrement,
T'es en charge, mec. Yes, I am. And yes, I do. Yet what use is a Reaper who cannot discern the situation from the details in front of them? Your answer would intrigue me, yes? Interesting. Si c'est ça qui t'intéresse. An insightful streak may yet rattle inside that skull of yours. Eh, c'est bon, t'arrêtes de me traiter stupide, oui? Rien à foutre. Off you go now, Grim. Good night. Tout ça pour me faire partir juste après, espèce de connard. Je vais te dire que je suis un con non plus. En plus, j'ai pas été payé alors que j'ai fait mon taf. Merde, à la fin. Ah, je vais me coucher. De la merde, tout ça. Et j'ai pas envie de bosser, alors je vais me casser. Non, en vrai, c'est juste la fin de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Des bisous.